Je tombe là, fidèle, serviteur, compagnon de celui d'Alain Diallo qui a le sens de l'amour, de l'humour et du partage. Mais croyez-moi,
et il m'a chargé de vous transmettre ses meilleures salutations. Il sera parmi nous. Il sera parmi nous et très très bientôt. Le jour où le présent Seigneur sera annoncé ici, nous allons nous arranger à ce qu'il rentre à 14h. Il ne rentrera pas à 18h. C'est très clair. Je voulais aussi vous informer qu'il y a eu des réunions du G58 avec le MPG élargi à ses partis alliés. Il y a eu deux réunions majeures. La première réunion, c'était au siège de l'UFDG. La deuxième réunion, au siège de l'UFR. Les partis politiques se sont réunis. Vous savez, lorsqu'on a vu le RPG ici, certains ont dit que le RPG et l'UFDG sont en alliance. Nous avons dit que ce n'est pas une question d'alliance. Nous sommes dans une période de transition. Il a été demandé à tous les partis politiques de faire des propositions. Nous avons proposé 15 mois. Nous avons créé un groupe de G58, c'est-à-dire que tous les partis politiques qui sont d'accord que la tradition ne doit pas dépasser 15 mois se sont retrouvés. Donc nous nous sommes retrouvés pour créer des conditions pour que l'on puisse organiser les élections. Voilà les rapports et les liens qui existent entre le G58, c'est-à-dire que tous les partis politiques du G58 avec le RPG à casser. Au cours de la dernière réunion, il a été constaté que malgré notre volonté, malgré tout ce que nous avons eu à faire comme démarche, malgré tout ce que nous avons eu à faire comme explication, pour qu'on se retrouve autour de la table, pour qu'on puisse dialoguer, pour finir la tradition de la paix, nous n'avons pas été malheureusement écoutés. La conclusion de la réunion du G58 et du RPG élargi à ses alliés, cette conclusion a été très claire. Un comité d'organisation a été mis en place. Ce comité d'organisation va réfléchir pour nous parler et nous donner les modalités d'une manifestation. La manifestation aura lieu, parce que si on n'est pas écouté, nous n'avons pas de choix, nous serons obligés d'adopter et de faire ce que nous appelons la manifestation. Il a été dit qu'il veut interdire une manifestation. Moi, j'ai dit que c'est une grosse erreur. Le monde entier le regarde. La manifestation est consacrée. Personne ne peut empêcher quelqu'un de manifester. Nous avons manifesté pendant 10 ans ici. Aujourd'hui, malheureusement, et ce qui est dommage, quelle que soit la volonté d'un président dans ce pays, quelle que soit la volonté d'un président, malheureusement, les conseillers qui sont à côté de lui les mettent souvent en erreur. Lorsque le colonel Doumbouya a pris le pouvoir en 2000, le 5 septembre, lorsqu'il y a eu le coup d'État, lorsqu'il a pris, il a tenu des engagements. Le premier engagement, il a dit, je suis arrivé, d'abord, et moi, et tous les membres du gouvernement et les membres du CND, personne ne sera candidat. Il a dit, la justice va être la boussole. Il a dit qu'il va tuer l'ethnie. Nous avons aboli. Quand la population est sortie pour aboler, ça ne veut pas dire que la population a dit à légitimer M. le colonel Doumbouya. Nous avons aboli parce qu'il nous a sorti d'une situation
La gouvernance de Charles Condé, c'était une gouvernance catastrophique. Il nous a sorti de cette situation. Mais il a pris des engagements. Mais croyez-moi, au moment où il prenait ses engagements, je suis plutôt convaincu qu'il était de bonne foi. Mais un être humain est un être humain. Les gens de Moura soient inscrits à l'aide d'or dans ce pays. Nous avons souhaité qu'ils sortent par la grande porte. Malheureusement, il est pris en otage. J'espère de tout puissant Dieu que lui-même se rende compte qu'il est pris en otage. Et pour 50 mois, il faut laisser d'ailleurs faire la refondation de l'État. Il faut faire très 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 attention. Ces partis politiques n'aiment pas le colonel Bilia, ils n'aiment pas la Guinée, parce que ces gens-là n'ont aucun intérêt à ce que les élections soient organisées. Ils n'ont pas de militants, ils n'ont pas de structure. Absolument rien. Ce qui les intéresse, c'est leur intérêt personnel. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir de l'argent. Ce qui les intéresse, c'est de pousser le colonel Moura à la faute. Ces gens-là existent. Ce sont des partis politiques à 4 ans. Nous les disons, puisqu'ils ont décidé d'être des opposants aux opposants, je pense que le colonel Moura se rendra compte que c'est des gens qui sont mis pour la nation. Maintenant, pour trouver la solution à ça, pour que ces gens-là nous gardent la paix, pour qu'ils cessent de continuer à monter des armes, moi je demande humblement au colonel Doumbouya de prendre un décret. Ils sont 4 ou 5, ils sont connus. C'est eux qui l'ont, c'est eux qui parlent, c'est eux qui racontent des combats en disant que la transition va continuer. Le colonel Doumbouya n'a qu'à prendre un décret, les nommer comme ministre. S'il les nomme comme ministre, la Guinée aura la paix, nous aurons la paix parce qu'ils cherchent ça. Donc il faut qu'ils soient nommés comme nous, parce que maintenant là, il paraît très bien qu'ils soient en train de se battre pour prendre la place de Miaouli. Voilà, il n'y a plus de Miaouli, et même pas ministre, mais il est premier ministre. Ils n'ont pas de militants, ils n'ont pas de structure, ils n'ont absolument rien. Ils n'ont pas de siège. Ces gens-là n'aiment ni le premier Doumbouya, ni la Guinée. Est-ce que c'est difficile de gagner? Nous avons dit, retrouvons-nous autour de la table, on va gagner. Quand on dit dialogue, les gens nous disent concertation. Quand on dit concertation, on dit tous les partis politiques. Personne ne connaît dans ce pays, il y a combien de partis politiques. Vous voyez des gens, c'est le pouvoir. On ne peut rien construire dans la bagarre et dans le pouvoir. On ne peut pas construire quelque chose de solide. Quand on appelle les partis politiques des gens qui n'ont absolument rien, qui n'ont même pas de base sur le tour, on a vu quelqu'un au cours de l'assise qui prend la parole et dit « Moi, je suis parti politique. Derrière moi, j'ai 25 partis. J'ai une coalition. » Ça veut dire que chacun se lève, crée sa coalition. Aujourd'hui, on ne connaît même pas le nom de parti politique. Je pense que le colonel Doumbouya doit pouvoir lui trouver la solution et se rappeler que M. Alpha Condé était dans la même situation quand il est arrivé ici, au lieu de s'occuper du développement de la Guinée, au lieu de s'occuper de son pouvoir, il s'est entouré des gens qui ne l'aiment pas, qui n'aiment pas la Guinée. Il a élu à 9 ans, il a passé tout son temps à plutôt s'occuper de l'opposition, à s'occuper de ses groupes, que de s'occuper de sa présence. C'est pour ça la Guinée est dans cette situation. Sinon, l'exercice normal d'un pouvoir se repose sur des programmes. Une planification objective et un suivi exécutoire rigoureux. La nation ne se construit pas sur des coups de tête. La nation ne se construit pas sur des humeurs. La nation ne se construit pas dans la haine sélective. La construction d'une nation doit être réfléchie. La construction d'une nation ne se fait pas dans le mépris. La construction d'une nation se planifie. La construction d'une nation se fait sur la base des déchets et des échanges. C'est loyau entre toutes les vies et les vies du pays. Nous avons demandé, on retrouve nous avons proposé 15 mois. Nous avons des preuves qu'on peut organiser ces élections à 15 mois.
non pas notre solution que de faire des manifestations. On parle de 36 mois. Pas de 36 mois. Personne ne vous dit quelle est la religion va commencer. Est-ce que quelqu'un connaît la GSA là? La tradition va commencer le jour où les activités vont commencer. Moi, on aime la vie. Si je dis que la tradition c'est 36 mois, je mets les délais, je mets les activités, je dis, bon, je vais commencer les élections locales telle date, je vais faire les élections législatives telle date, je vais faire les élections présidentielles telle date. C'est ça, un délai. C'est ce que nous avons comme programme. Mais on se lève, on dit non, c'est 36 mois. Peut-être les 36 mois, mais je vais pas les 36 mois vont commencer au mois de mars 2025. Ou les 36 mois vont commencer en 2030. Parce qu'on a dit 36 mois, mais personne n'a dit quand ça commence. Quand le ministre de la République dit que la région va commencer le jour où les activités vont commencer, c'est 30 ans. Et quand on dit que les manifestations vont rétablir la tradition. Là aussi, je pense que là aussi c'est grave, là aussi c'est immonde, là aussi c'est inacceptable. Il faut que ce pays avance. La tradition n'a pas pour objectif de tenir le pays. L'objectif de la tradition, c'est d'organiser des élections et terminer. La tradition n'a pas pour objectif de faire des routes de tout ce qu'il y a. Nous devons savoir ça et tout le monde doit le savoir. Et ce qui est le colonel Doumbouya doit pouvoir lui dire qu'il a l'occasion à jamais de rentrer dans l'histoire par la grande porte. Il ne faut pas qu'il écoute des gens qui ont toujours tourné, qui sont des conseillers, mais des conseillers néfastes, des conseillers qui ont pour objectif de le détourner et de l'empêcher d'aller tout droit. Nous l'invitons, nous demandons au colonel Doumbouya, nous avons encore la volonté de nous retrouver autour de la table avec lui, les acteurs qui comptent. Si vous demandez aujourd'hui dans ce pays, quels sont les partis politiques, à n'importe quel Guinée, et vous le chantez. Il ne faut pas continuer à perdre du temps. Ce que moi j'appelle perdre du temps, c'est de faire ce qu'on appelle les assises nationales. Assises nationales, les gens vont à l'intérieur, ils reviennent, on ne connaît pas quel est le résultat. Le CNT sort ici pour aller aussi rencontrer la population. On revient, on ne sait pas quel est le résultat. Maintenant, on nous dit que le gouvernement aussi doit aller à Jérémy pendant un mois, aller vers le conseil de ministre à Jérémy. Pour quel résultat, c'est pas. À l'intérieur, il n'y a pas d'eau. À l'intérieur, il n'y a pas de route. À l'intérieur, il n'y a pas de nécessité. À l'intérieur, les gens ne mangent pas trois fois par jour. À l'intérieur, il n'y a pas de salle de santé. À l'intérieur, il n'y a pas de médicaments. À l'intérieur, il n'y a rien. On n'a pas besoin d'aller à l'intérieur pour savoir ça. Le CNT est composé des représentants de l'intérieur. Si ce n'est pas pour perdre du temps, on ne peut pas aller. Nous demandons qu'on nous donne la date des élections. Organisons les élections pour qu'on soit de cette situation-là. La Guinée est un pays qui a souffert. Pendant 11 ans, nous voulons, honnêtement, que ça se calme, nous voulons qu'on sorte de ces situations-là. Conseil des ministres, à l'intérieur du pays. L'UFDG est un parti national. Le président sénégalais est un homme du peuple. Le président sénégalais aime la Guinée, aime les Guinéens. Je voudrais ici, à votre nom, demander encore au colonel Doumbouya, qui est le président de la tradition, d'accepter de rencontrer la classe politique
pour discuter de des questions concernant la prédiction. Nous avons la possibilité de démontrer au Conseil qu'on peut organiser les élections en 15 mois. Nous avons la possibilité de le démontrer. Il ne faut pas que ça continue. Parce que si ça continue, il y aura des manifestations. S'il y a des manifestations, ça peut ternir sa gouvernance. S'il y a des manifestations, ça peut jouer parce que quel que soit ce qu'il y a, il est le premier responsable. Il accepte d'écouter des bons guinéens. Les bons guinéens, c'est ceux qui peuvent le regarder en face, lui dire la situation n'est pas bien. Ceux qui sont capables de lui dire attention, monsieur le président, ceux qui vous entourent ne vous aiment pas, ceux qui vous entourent ne vivent pas la vérité, ceux qui vous entourent n'aiment ni la Guinée, ni vous-même, ils aiment leur intérêt personnel. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Et il faut que le colonel Doumbouya accepte de savoir que la Guinée est un pays membre de la CEDEAO et que c'est nous qui avons participé à la mise en place de la CEDEAO. On n'a aucun intérêt à continuer à attaquer la CEDEAO, continuer à crier, à dire ici comme si on était des braves, comme si nous sommes le Mali, comme si la Guinée n'est pas le Mali. Le Mali est le Mali, la Guinée est la Guinée. C'est notre pays. Nous aimons la Guinée, ce n'est pas la paix. Le colonel Doumbouya doit prendre attache avec les membres de la CEDEAO pour qu'ils se retrouvent, pour discuter, pour ne pas que ce pays-là soit sanctionné. Si les élections ne sont pas organisées, s'il n'y a pas de délai, parce que les questions qu'on pose, qu'on contourne, tout ça, on montre, on descend, c'est parce qu'ils n'ont pas donné un délai correct. Je donne un délai, il continue ce qu'il a à faire, on organise les élections et on en a fini. Puis dans la paix, dans la tranquillité, et le pays continue. Parce que l'UFDG au pouvoir ici, je voulais le dire ici au pouvoir, le colonel Doumbouya peut savoir qu'il peut compter sur l'attaque de matériel. Il l'UFDG au pouvoir, le colonel Doumbouya sera traité dignement comme quelqu'un, un ancien président. Il sera traité comme quelqu'un qui a débarrassé la Guinée de celui qui était le premier dictateur. C'est ce que nous souhaitons. L'UFDG ne cherche pas de problème. Il ne faut pas qu'on nous oblige à nationaliser, à l'arrivée là. On ne veut pas qu'il soit. La manifestation n'est pas notre volonté. On ne veut pas la manifestation pour la manifestation. Mais si on n'a pas de solution, si on n'est pas écouté, si on nous prend comme si on avait la boue dans la tête, nous allons exercer notre droit. Et le droit que nous avons, c'est le droit de manifester. Je voulais terminer ici. Je voulais terminer, puisque nous sommes restés longtemps, à vous dire que l'UFDG n'a jamais été consulté. On ne nous a jamais consulté. On ne nous a pas dit d'appeler quelqu'un dans le gouvernement. On ne nous a pas dit que c'était un gouvernement de transition. Nous n'avons aucun représentant dans le gouvernement de M. colonel Doumbouya. Que ça se soit très clair. Nous n'avons envoyé personne. Personne ne parle à notre nom. Les actes qui sont posés par le CNRD n'engagent pas bien PG, parce que le PG n'a aucun représentant dans le gouvernement. Que ça aussi soit très clair. Parce que si nous voulons envoyer quelqu'un, c'est nous qui l'envoyons. Donc on n'a envoyé personne, que personne ne parle à notre nom, que personne ne dit qu'il est notre représentant dans le gouvernement de M. colonel Doumbouya. Je pense que ça aussi doit être très clair et net, parce que ça là, nous n'avons rien à voir dans ça. Il ne faut pas que quelqu'un parle à notre nom. Colonel Doumbouya n'a jamais appelé une seule fois le président Sénégal. On dit, c'est nous, président Sénégal, est-ce que tu as quelqu'un à nous proposer? On n'a proposé personne. Que personne ne parle à notre nom. Ce que le Sénégal fait n'engage pas l'UFDG parce que nous ne sommes pas membres du Sénégal. Je voudrais donc
Monsieur David Brizard, je voudrais terminer mon propos là en vous disant et en vous remerciant et en vous disant de rester à l'écoute et de rester mobilisé. Vous aurez des informations en tant que porteur. Je souhaite qu'on s'attende. Si on ne s'attend pas, personne ne peut empêcher une manifestation dans ce pays. Merci.